Eh bien, ça les amis, aujourd'hui je vous montrerai comment faire un trophée YouTube. Donc moi je change souvent les fonds, comme là par exemple c'est noir, là c'est gris, avec 40 abonnés, lui 8 abonnés, c'est pour ma chaîne les deux amis, et là c'est pour ma chaîne Prank Oui que je vais changer à 3 likes. Je fais une chaîne avec mon cousin que de parcours, 3 ou 4 likes. Donc, il vous faut faire des banderoles noires, à peu près la même longueur comme vous pensez faire, assez long. Votre plaque où vous aurez marqué le logo et une autre plaque, mais noire. Donc, vous prenez la plaque. J'avais déjà fait une vidéo, mais ça a coupé, du coup, il faut que je recommence. Vous mettez votre plaque là. Comme ceci. Sur la plaque, normalement, il restera quelques centimètres parce qu'il faut que la plaque noire soit plus grande. Là, ensuite, vous allez mettre les rebords. Comme ceci. Derrière, ça donne ceci. Désolée pour la qualité. En plus, je pense que je vais changer la qualité. Ensuite, vous allez prendre de la fumo rouge. Donc, bien sûr, c'est de la fumo. C'est pas de la pâte à modeler. C'est de la fumo qu'il faut prendre pour faire cuire. Parce que la pâte à modeler, après, vous pouvez pas le faire cuire. Là, vous verrez mieux. Donc voilà. Là, comme ceci. Ça donne ça. Vous allez prendre votre fumo rouge et vous allez faire un petit ovale. Vous allez faire déjà une boule. Moi, c'est ce que je fais toujours pour la ramollir parce qu'elle est très dure au début. Et là, vous allez prendre de la fumée blanc, un tout petit bout, pas trop grand, un tout petit peu. Vous allez faire pareil une boule. La boule, vous allez l'aplatir bien comme il faut. Il y en a pas assez. Là, comme ça, hop, hop. Là, on fait une boule que je vais aplatir avec mon tube de colle ou n'importe quoi d'autre. Et là, il faut faire une petite flèche pour représenter le logo YouTube. La fumée, c'est dans les 1,64€, 65. Par là, c'est pas très cher. Il y en a qui vont trouver ça cher, donc voilà. Ou sinon, vous faites tout simplement. Donc là, vous mettez votre petit logo. Ça fait ça. YouTube. Et là, en fait, avec un ciseau, ce que vous voulez, moi je prends ça, une cure-dent, ce que vous voulez, un truc bien pointu. Et bien, vous allez marquer le nombre d'abonnés que vous avez et votre chaîne YouTube. Donc, moi, c'est Prank Oui. Et là, je vais marquer en blanc, en rouge, ce que vous voulez, le nombre d'abonnés. Donc, moi, j'ai 5 abonnés. Donc, je sais, j'avoue, c'est pas beaucoup. 5 abonnés.
Mais je fais pas trop de vidéos de prank parce que des fois j'ai pas d'idées, donc donnez-moi des idées. Toute façon, sûrement que je changerai. Mais n'hésitez pas à vous abonner, c'est sympa parce que j'ai fait quelques déjà vidéos prank sur cette chaîne. J'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup, mais j'en ai fait. Parce que demain, je vais aller un truc de gonflable qu'il y a. Et normalement, je pouvais pas y aller. Mais au final, j'y vais demain. Avec une copine à moi où j'ai déjà pranké son frère. Donc, en gros, en petit, ce que vous voulez, vous marquez le nombre ben, dans mon nez. Moi, je suis obligée de faire très, très petit. Du coup, c'est très, très, très chiant. Et après, vous allez marquer 5, par exemple, abonnés en graduant ou ce que vous voulez. Moi, je vais écrire après, au fait, noir. Oui, donc ça se voit pas trop vu que j'avais fait un truc et là voilà, ça fait ça, ça fait un joli petit un joli petit trophée YouTube. Donc je vous montrerai mon grand trophée. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais là je vous montre vu que c'est éclaté. Donc ça, on trouve sur un site. Donc voilà. C'est mon trophée YouTube. Euh, 40 abonnés, VTT Enduro. Donc voilà, c'est j'ai fait, j'ai mis du scotch noir. Voilà, ça se plie facilement. Regardez, déjà ça se plie. Voilà, c'est mon cadre YouTube, mon trophée YouTube. Du coup, merci pour les 40 abonnés. C'est déjà beaucoup pour moi. Donc, j'espère qu'on va monter plus encore. Donc, je sais pas, à 60, après à 70. Moi, après à 50, 60, 70, 80, 90 et aux 100 abonnés.